Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewie, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewie pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, bonsoir. Et on se retrouve pour l'épisode 10 de Disney Speedstorm. J'ai pas fait de live et de vidéo les temps-ci. Donc, bon, j'ai un petit peu avancé quand même, hein. Excusez-moi, j'ai avancé parce que bon, il y a des trucs quotidiens à faire, donc bon, bah, je le faisais le plus possible. Donc, bah voilà, salut Gonono. Bon, déjà, comme d'hab, la boutique récupère ce qu'on nous fait de gratis, hein. Ben, rat une fois, hein, rat toujours, hein. Bon, 400 améliorations pour 17 000, c'est beau. Des pneus pour Aladdin, on s'en fout, je l'aime pas. Monstres et compagnie, bon, ils sont pas beaux les pneus. Hein? Bah, ça va, merci. Mais toi, Gonono? Tranquillement, bah nickel. Viens d'y voir, comme j'étais sous la paluce là, il n'y a pas un endroit dans le jeu où qu'on peut voir tous les RMJ d'un coup des personnages, ou bien on est obligé de les faire un à un. J'ai essayé de chercher, mais à part regarder un personnage par un personnage, au moins qu'il y ait une technique pour aller plus vite. Un par un, il n'y a pas le choix, ouais, d'accord. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Parce que j'ai fait un peu de RMJ, hein. Bon, pas des masses, hein. J'ai monté notre petite fofolle là. Bah, c'est elle la plus élevée. Ah, niveau 30. Niveau 30 et. Bon, je m'arrête au RMJ 16, moi, avec tous les personnages. Parce que au-delà, je perds des points à chaque course. À chaque course, je perds des points, donc. Bon, je sais que je rate des beaux trucs, hein, mais je préfère pas regarder, comme ça, je ne vois pas ce que je rate. Sinon, bah, je les monte tous au niveau 16. Et au fur et à mesure, je les monte en level. Ouais, Félix 28. Bon, la sucrerie qui sert à rien, elle est à niveau 13. Et au fur et à mesure, je les monte doucement. Chacun à leur tour. Tranquillement, quoi. Alors, récupérer. Bah, y a rien à récupérer. Ah oui, c'est vrai, c'est le bug. Bon, on va faire les quêtes hein, quotidiennes. Tout événements spéciaux, événements limités. Hop. Alors, il faut une brute. Voilà, j'ai Jessie et j'ai la manette éteinte. Et ce machin. Bon, il est niveau 11, hein, mais bon. Somebody call for a diamond in the rough. I will win this. Here goes nothing. Dégage. Dégage. Chaque fois, ça me ralentit plus qu'autre chose, le machin.
Ouais, j'arrive pas à mettre le bon point, le bon point pour obtenir direct le boost. Faut que je me tente à plus de reprises et à chaque fois, les autres en profitent pour dépasser, quoi. Oui, je sais, je prends trop large mes virages. Mais quand je les prends trop proches, je me bouffe le virage. Et un Rattaque sauvage vient d'apparaître, Pokémon Dragon, tier A. Type Dragon, vol. Stat total 600, effectif ball, la fast. C'est quoi les quêtes de la semaine? Tenter les captures. Ok. Tenter les captures et 10 Pokémon de plus de 469 BST. Comme lui par exemple. C'est un 600 BST. Bon, je vais passer en coup de pont, je vais live, mais te laisse en lure. Ça marche, y'a pas de soucis, merci Gonano. Et puis, merci beaucoup pour la petite visite et puis le lurk, hein. Daisy Duck is on the track. Try and keep up. I don't know about you, but I'm raring to go. Il n'y a vraiment qu'à la fin des rampes généralement que je trouve le point d'équilibre pour le turbo, quoi. Bon, ça va, le jeu est assez généreux avec les turbos, ils en donnent assez souvent, quoi. Notre cher Jesse, hein. Lui non plus d'ailleurs. Mais bon, je vais pas prendre de Gantou, hein. C'est un level 11, il faut minimum 15. Bon, souvent, oui. Peux-tu être le premier pilote à franchir la ligne d'arrivée? Nous verrons, oui. Ben, assez souvent, oui. Bon, pas non plus tout le temps, hein. Ah, du moins en solo, bien entendu. En multijoueur, c'est rare que je franchisse la ligne d'arrivée. Hein. Enfin, que je franchisse en premier, je veux dire. Ah, je m'amuse juste pour le plaisir. Hein. Moi, je suis pas,
suis pas un espèce de gros tryharder, hein, ni un no-life. Si on a, bon, tryharder, oui, il y en a, il faut être tryharder, j'y suis quand même, hein, malgré tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, ben, il y a aussi ceux qui passent toute leur journée sur le jeu, donc, et comme des gars comme ça, c'est impossible à battre. Les gars, ils connaissent le moindre virage, la moindre pépite, la moindre vermicelle de sucre sur les pistes et tout ça, quoi. Gacha. Gacha, je sais pas trop. Ah, mais abruti de Wookie, je me suis planté de côté pour faire mon dérapage. Assez de boost, j'en rajoute avec la flamme. Hop, bah nickel. Il me faudrait des pièces de quoi? Éventuellement une pièce de brute. Passer le temps. Ah bah non. Ah, j'avais pas vu. 1h38 encore. Jafar, Gaston, Jafar, Gaston, Sully, Olaf, Anna, Sully, Olaf, Anna. Bon bah. Oh, c'est mort. Je n'ai personne de tout ça. Alors, gagner la course, sa sucrerie. Père, Courin, c'est mort aussi. Ah bah j'ai utilisé tous les essais. Ah. Alors, dérape, atteint le top 3. Bon, ça, on va l'expédier. On notre chippy. Ouais, c'est vrai, le bug niveau 3, ça donne un gros boost. Depuis quand qu'il y a des canons là au milieu de la route là? Nos canards là. Ah, nos canons. Heureusement que j'avais le turbo parce que je pense que j'aurais fini dans la flotte moi. J'ai oublié un dérapage. J'ai oublié de dérapé pendant 4 secondes. Doublon, ah, encore. 500 pièces en plus. Bah, tu dois. Oh. Ah, c'est dérapé sur 600 mètres. Ah oui, bah oui. Mètres. Pas beaucoup pour déraper hein, dans cette piste. Hein.
Ah oui, je crois que c'est 600 mètres total. Pour passer à la ligne d'arrivée. Voilà. Ah. Un peu casse-pique, quand même pas casse-pique, que c'est que des éclats de croûte de nez, mais bon. Celui-là, je ne peux pas le faire parce qu'il faut au moins avoir être au niveau 20 pour avoir les compétences spéciales. Il faut être niveau 22. C'est cuit quoi. Gagne la course et étourdit 10 adversaires. La course. Celui-là. Ok, l'autre, je peux la tenter, gagne la course et étourdir. Il faut gagner la course et utiliser ce qu'un qui sont compétents, donc. Le problème, c'est que souvent, je les étourdis avec des capacités, donc. Avec des compétences. Et ça calque, ça compte pas dans le fait de. Les étourdissements. Ah, puis j'ai repris. Hein? Oh ben on finit la course, hein, c'est tout. J'ai l'impression que Vanellope elle va pas plus vite que 150 km/h sans les turbos. Je sais pas trop où ça sert de prendre ça. Éviter un virage. Il y a un petit raccourci là, mais je sais pas s'il est vraiment. Bon, c'est juste une course parce que comme je me suis planté. J'étais trop vite. I've been known to win a race or two in my... I have secured the area.
Alors, étourdir des adversaires et utiliser 15 compétences. This track for sale, cause, you know, I'm in the market. I hope you're all buckled up. Ah dans les deux cas, il faut gagner la course. Ouais. C'est des rocs vient d'apparaître. Pokémon météorite, tiercé, type roche psy. Stat total 460, effectivement lassifeur. Ça fait partie des quêtes de la semaine en raté la capture et en base stat. Et en tentative de capture, bien entendu. Je pense que booster il doit être pas si mal celui-là. Ah, dès le moment que je me prends l'item de merde violet là, c'est mort. La course elle est cuite. Ça ne sert plus à rien que je combatte. De toute manière, ça je peux pas le faire. Du moins pas niveau 12. Gagner et utiliser des compétences. Ailleurs, ça c'est encore ça. J'ai un peu plus de niveau. 3 niveaux de plus que le recommandé. Donc ça devrait y aller, ça devrait le faire. Maintenant. Faut déjà réussir à récupérer 15 trucs sur la route quoi. Bon si ça se cumule, ça va, ça le fait. Ça en fait déjà 2. J'ai l'impression que ma manette elle réagit pas des fois quand j'appuie sur Y pour balancer l'objet, il faut que je rappuie une deuxième fois rapidement pour valider l'envoi quoi.
pas que ça soit logique hein, dans le jeu, je crois pas que ça, qu'il faille valider l'utilisation de l'item, quoi. Ah non, c'est pas dans le jeu, je suis bête. Ah, c'est bon, ça se cumule. J'en suis à 7. Relance, hein. J'en ai fait 7. Peut-être qu'il va falloir que je fasse 3 courses pour avoir les 15. D'accord, Stitch qui rigole avec Gantu. Ouais, ok. C'est là, Stitch a rigolé et Gantu juste derrière. Enfin, Lilo, pardon. Et Stitch juste derrière aussi a rigolé. Bon, l'espèce d'inutilité laquée, là, tu vas dégager. Ah, je voulais balancer derrière. Voilà. I'll just add that to my service record. Et c'est ça, 3. Je pensais. J'en ai raté une. Captain Gantu reporting for duty. I've read about this vehicle. See you in my rear view mirror. Don't expect me to go easy on you. Voilà, j'ai juste à tracer. Pas à m'occuper de rien du tout, juste à récupérer au moins un minimum de compétences. Hop, voilà. C'est bon, on est à 15. Normalement, c'est mieux de passer le petit val, enfin de ce que j'ai pu tester. Hein. C'est mieux de passer le petit raccourci là avec un turbo. C'est pas la première fois que je vois ça. Hein. Dans MK8, c'est la même chose. Hein. Dans les raccourcis de terre comme ça, si on veut pas perdre d'élan, il faut avoir le turbo. Quoi. Avant tout, il passe limite, mais là, l'autre, le Jumba, là, il est laid. Il est moche comme bestiau. Bon, c'est du monstre et compagnie, ce qui est logique, mais bon, il est moche. La course est étourdie des adversaires.
Voodoo, c'est mort. Vite. Alors, d'accord, je ne peux pas faire l'avancée parce que j'ai pas de livre de la jungle. Donc il faut gagner à course et utiliser une compétence spéciale, donc il faut au moins un level 20, atteindre le top 3 et utiliser 4 compétences. Let's make this quick. This ain't my first rodeo. On a cocotte, hein. La compétence spéciale, bon bah... De toute manière, il faut un personnage niveau 20 au moins pour le faire. C'est la compétence spéciale, on l'a qu'au niveau 20. Il y a 4 compétences. Ah, la compétence spéciale. Pas trop c'était quoi qui m'a tapé là, mais bon. L'espèce de faisceau qu'il y avait devant le guignol. Vaut mieux pas le se rater là, hein, parce que on est un peu coincé là si on se rate. Vraiment très peu pour être. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh yeah! Et je sors. Nickel. Normalement, on a tout fait d'un coup. Hein? Oui, on a tout fait d'un coup. Nickel. Et il reste celui-là, Star Chaser, gagne la course. Déjà fait. J'aurais pas dû y jouer dans la nuit. Ça a tout déréglé le live. Donc c'est cuit. On va voir éventuellement si on peut faire un ou deux défis quotidiens du pass. Et bon, c'est... Et puis ça, il faut Donald, je ne l'ai pas, il faut Balou, je ne l'ai pas, il faut Christophe, il faut un Toy Story 20, il faut Sully. Ok, ben, on a tout fait, hein, au final. On va peut-être encore faire un petit quart d'heure, et puis bon, ben... faire un peu de RMJ. Félix est fait. Don't worry, quand Jesse n'est pas fait. Ouais, j'étais au truc, hein. Un petit peu de RMJ, un petit quart d'heure, et puis on stoppera là, je pense. Ready for a good time. Take it easy out there. Here goes nothing. Go fast. This is not like home. Bah allez, on s'en fout des autres joueurs. À chaque fois, ça m'énerve, c'est long. Pour ce qu'on en a pété, au bout de 2 minutes, on a oublié leur pseudo, genre. Surtout quand c'est des pseudos à coucher dehors. Genre player, hashtag, machin, 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 là, non mais... Ah, puis hein, j'aime pas quand je vois connexion fait, parce que je sais qu'il y en a qui sont suffisamment faux cul, faux jetons, pour utiliser un bug de connexion.
pour cheater tout simplement. Mais on peut pas savoir c'est lesquels. Est-ce que c'est vrai que tout, y en a certains qui peuvent avoir une perte de connexion? Parce que tout le monde n'a pas encore la fibre, donc c'est faisable. Mais bon, à chaque course, il y a toujours du monde qui a de la perte de connexion, donc bon. Je suis tranquille, j'ai la fibre, il n'y a pas de perte de connexion. Puis c'est là qu'à la fin de la course, perte de connexion. Ah, bon, bah ok. Ah oui, mince, c'est du RMJ, ça. Je peux pas mettre sur pause. Bon, bah, tant pis. Il y a un golem à stock qui est apparu. Il a eu un peu chaud d'air, celui qui a essayé de me doubler, là. Pas très doué le joueur. Hein. Oups, j'ai cramé Pitika. Ah, il a essayé de me doubler. Hein. Moi j'avais le feu, ben voilà. Le cramé il est pas sec. Bon bah Golem Astok s'est échappé hein. Hop. Oui du rang 0 je passe directement au rang 2. Bon, hein, on continue. Ah, j'allais dire pour eux j'ai pris Jesse, bah oui je suis bête. Oh purée, bah c'est bon, c'est bon. J'ai eu un moment de... Il y a le cerveau qui a un peu arrêté de fonctionner là en une fraction de seconde. Je me dis pourquoi que j'ai Jesse, bah oui parce que je suis en train de la... La monter en vent. Ah, ça, j'aime pas le truc de Mowgli là, il casse les oreilles. Dommage. Ah, le troisième et le quatrième bug de connexion. Ah.
upholstery on this chariot. Who's the boss? I will win this. I'll have to make this up as I go. Just like steering a ship, right? Quel circuit ça, je reconnais pas. Ah, le monstre et compagnie, d'accord. Ah oui, le démarrage que le méchant là, il se fait envoyer à la fin. L'espèce de truc inutile là, il se fait envoyer là. Ah non, je crois que c'est Sully et Bob qui se font envoyer dans l'espèce de pôle Nord. Devant un bug de connexion là. Dégage, espèce de cheater. Ah mais j'aurais dû balancer ça derrière.
m'en fous du classement, moi. C'est mon classement qui m'intéresse, c'est pas celui des autres, hein. C'est un peu logique, hein. Pom 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 pom. Time to ride. Oh, il vient d'avaler un mouchon. I think I might enjoy this. Don't nobody cheat now. This is gonna be a cinch. Bon. Ouais, je vais pas passer l'arme à gauche avec ça, hein. Mais bon. C'est comme ma mère elle disait, bah t'inquiète, c'est de la viande sans eau. Et ainsi, espèce de poupée là, que je te shoot là. Dégage. Mange-toi ça éventuellement. Ça m'arrangerait. Chaque fois j'oublie de sauter, bah, faut dire je vois pas le troisième rail arriver. Oh. Je sais pas comment j'ai réussi à rattraper, mais c'était tout juste. Bon, encore qu'il m'appelle, au moins encore une tentative d'arnaque. Bah tiens, suspicion de spam. Téléphone. Bloquer ce numéro. Casse-toi, espèce de creux d'escroc. Bon allez, on va faire encore une ou deux courses. Et ben hop. Ouais, on va monter en rang 6. Et je pense qu'on va stopper après. Ok, je sais pas. Est-ce qu'on fait encore 10 petites minutes histoire de faire un live d'une heure? Who's ready for a room to good time? Il y en a un, il est niveau 30 là. Il a un objet derrière lui là. Mais préparez vos balles, il y a un Pokémon qui va apparaître. C'est un frissonnille, il vient d'apparaître.
Mais purée, arrêtez de me bombarder là. J'ai le droit de vivre, non? Je suis pas venu ici pour souffrir, non mais alors? Et justement, si on joue à ce genre de jeu, c'est pour soi, c'est pour souffrir. Bon. À mon avis, celui qui est deuxième, ça doit être la sucrerie. Vu l'espèce d'objet bizarre qui est apparu là. Ah tiens. La sucrerie, bon, il a pris une place, mais c'est sûr que c'était lui, hein, vu l'objet qui est arrivé et le fait qu'on n'est pas dans un des circuits de Sugar Rush. Hop là, Silver pour Jesse. Jesse a trouvé la voie. Hop, le vise, on s'en fout, ça sert à rien. Ouais, on va monter jusqu'à RMJ10, allez. Allez, on va le faire. En tout cas, j'aime pas quand il y a des joueurs qui sont avec portable, parce que ça, c'est facile d'utiliser le bug internet avec le portable, téléphone portable. Bah, pareil avec un ordinateur en wifi. Hein. Mince, j'ai tourné moi. Je monte toujours trop haut là pour éviter le marteau. Ah oui, ben bien sûr, l'autre il a déjà pris une sacrée avance. Non. Là, je crois qu'il a quand même réussi à prendre les rails. Si je les prends les rails. Bon, ça ne sert à rien pour gagner, mais bon. Ah, il a pris de l'avance en prenant le rail vers la fin de la. Vers la présente course. Il a pris un petit peu d'avance et pas moyen de la rattraper après.
mais purée. Non mais les pinceaux, bah comme à chaque fois je m'emmêle les pinceaux avec mes commandes inversées et tout ça pour déraper. Ah, l'autre devant, il est sur console, il a un bug de connexion. Cinquième, la cata. Et ceux qui avaient des bugs de connexion, ils ne sont plus dans le classement. Bien fait, ils ont été déconnectés. Déconnectés, j'espère que si c'est volontaire qu'ils se sont fait ban, tiens. Enfin, si le cheat est volontaire, hein, attention. S'il est involontaire, je ne veux pas qu'il... Je souhaite pas qu'ils se ban, qu'ils se fassent ban, les mecs. Mais si c'est eux-mêmes qui te quittent, qui déclenchent le bug de la connexion, c'est mort. J'espère qu'ils se font ban. Allez, on s'en fout des autres joueurs. Venir, ils nous servent à rien, à part à nous ralentir dans le jeu. Il m'a cramé le postérieur, le bestiau là. Voilà. Une bombe en plein sur le coin du musaille. Le circuit là, ouais. Ah, remarque, je préfère que deux tours se fassent en deux minutes, deux, trois minutes plutôt que cinq minutes pour un tour, quoi. Enfin, j'exagère, hein, mais. Je veux retenir aussi les pseudos. Hein. Ah, niveau sous-marin, Bert. Allez! Généralement, en attente des autres joueurs, je suis désolé. Si la course elle se démarre, c'est que les 8 personnes sont déjà là. Donc si ça marque en attente des joueurs, c'est qu'il y a un bug, c'est qu'ils sont en train de faire quelque chose. Enfin, j'espère que Disney Speedstorm va vite patcher ce bug là.
On est plein qui se retrouvent le bec dans l'eau et qui sont obligés de vraiment jouer. Sans tricher ou sans que le personnage soit téléporté. Moi ou cette espèce de sucrerie a essayé de m'envoyer dans le décor. Mais vas-y, casse-toi, laisse-moi passer un peu. Ah putain. Pardon. Il pleut des guignols. Qui a essayé de me balancer un truc gros sur la tronche. Allez, déconnecté, bien fait pour toi, tiens. Ah, ça t'apprendra. Hop, niveau 8. Yeah. Ça monte, tout doucement. Who's ready for a rootin' tootin' good time? Ready or not, here I come! Let's see what you're made of. Somebody call for a diamond in the rough. Prepare to make haste! Oh mais purée! Bien, l'autre là, il est passé au travers là. Alors qu'il n'avait pas d'invincibilité ou rien. Je suis désolé, faut pas me la faire à moi. Hein. Mais purée, t'as vu? T'as vu l'Uncon comment qui s'était porté là? Je suis sûr que 100% c'est un cheater ce mec. Oh, tu te téléportes comme ça, ça passe au travers des obstacles. Oui, bah oui, hein. Donc à faire, hein. Bon, ce que je souhaite, c'est quand ils patchent le bug, que s'il y en a qui sont découverts, qui regardent les logs des jeux, avec tous ceux qui ont utilisé les bugs, qu'ils se fassent rétrograder. Qu'ils se fassent refoutre à zéro au moins une dizaine de personnages. Ça leur apprendra, tiens. Avec un bouclier, oui, on passe au travers, ce qui est logique. Un bouclier qu'on est protégé, c'est logique.
faire. Et s'il faudrait signaler à chaque fois, on n'en sortirait plus. Tiens, bien fait, dégage. Hop. Et un mesmer est là, sauvage vient d'apparaître. Il faut rater les quêtes. Et ça fait partie des quêtes de la semaine en base de stats. Ah, pour rater la capture ou en base de stats. Donc il faut la capturer. Ah oui, si je ne mets pas démarrer course, c'est sûr que la course elle va démarrer. Hein. Hop, blablabla. Ah, mais il y a combien de Mickey là-dedans? Combien de crottes de nez dans la course? Hey, deux qui ont une connexion faible. Comme bien sûr. J'attendais que la porte elle s'ouvre, moi, c'est pour ça que j'ai failli aller tout droit. Il est arrivé où d'où celui-là là, je l'ai pas vu. Normal, il était invisible. C'est normal qu'on ne l'ait pas vu quoi. Ouais, il y avait 5 Mickey. J'en ai viré 3. Bien ça. Un peu en 9. Il n'y a pas eu de bol, je l'ai cramé deux, je l'ai cramé le popotin deux fois d'affilée. Casse-toi, crotte de nez, tu sers à rien.
Hop. No. T'inquiète, on peut faire mieux, mais bon. Ah, ça commence à chiffrer, hein, dès que ça arrive à niveau 9, les adversaires commencent à être un peu plus coriaces, quoi. Enfin, RMJ 9. Et puis j'ai pas spécialement le level avec, avec Jesse aussi, hein. Bon, faut penser à ça, hein. Et console 1, console 2, console 3, console 4, console 5, PC portable 6, console 7. Je crois que c'est PC portable, à moins que ce soit fixe. Ah non, c'est PC portable, sinon ça va, j'en sais rien. Allez! Vous pariez qu'il y en a plein qui vont avoir des problèmes de connexion? Fait looter, essayer de m'avoir et puis il s'est cramé. Moi, je t'ai pas fait écraser. Bien fait, il s'est fait toucher. Ben, hein, des problèmes de connexion toujours. Aïe. Et je pense dernière course. Je commence à m'énerver. Nice upholstery on this chariot. I'm excited! Follow the bouncing figure! Mickey Mouse is in the house! This is gonna be a great race! Ah, puis la voix de Mickey, c'est stressante! Ah, bah pour une fois, la course, elle démarre assez vite! Bon, bien sûr, hein, allez! Premier qu'il y a une connexion de mode pourrie! Bah, qu'il y a un problème de connexion! Problème de connexion, ouais! Deuxième qui a des problèmes de connexion. Écoute ton pseudo à l'eau, tu vois.
T'as un risque-off, le gars. Pour quelle raison je suis parti dans le décor là. Ah d'accord, le bouclier de l'autre. Ah mince, raté le. Non mais sérieux quoi. Oh, le Mickey Mouse s'est fait dégager par le soulier et par moi. Bon débarras. Il y a trop de crottes de nez dans les courses. Hop, rang 10. Nickel. Est-ce que je peux booster un petit peu Jesse? Bon, c'est dans Toy Story. Si. Le supplémentaire de pilote. Pense 1. Ah, elle est niveau 20. Ah oui. Bon, lui, bon, il n'y a rien. J'en ai un que je peux monter. Personne. Ah si, on peut voir par ici. Allez, il faut que je garde Jessie. Hein. Bien, bien, bien. Et ben, on va se stopper là. Après 1h20 de live. C'était Dr. Chewy, Mr. Wookie ainsi que Wookie88. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage, enfin bref, vous connaissez le blabla. Ou à me rejoindre sur Discord, Twitch et en secours Kick. Sur ce, bah, le Dr. Chewy vous dit à tchao babouille. Bisous.